Maintenant, le cours passé, après avoir maintenant inspecté et comprendre la structure de notre data frame maintenant, nous allons essayer dans ce tutoriel de résoudre maintenant les conflits qu'on a constatés, tels que le fait que ici on a seulement 583 données non manquantes, alors que les autres lignes c'est 700 données non manquantes. Donc il faut résoudre ce problème. Ensuite, le prix aussi, le fait que le prix aussi est considéré comme une chaîne, car le type de données appliquées à une certaine colonne fait en sorte qu'il y a certaines opérations, par exemple aussi, par exemple, lorsqu'on parle de prix en chaîne, on ne peut pas faire la somme, on ne peut pas faire le produit. Or, les prix, on est censé faire ces opérations. C'est pourquoi il faudrait convertir. Donc, ici, par exemple, je vais essayer d'afficher le résumé de ce que nous devons faire dans ce sens-là, dans ce problème. On a constaté déjà que dans cette colonne, il y a des données manquantes. Celle-là aussi. Après, deuxième problème, c'est le prix qui est une chaîne, alors que le prix devrait être un nombre. Donc, sans... Attends, il y a un problème là. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va maintenant commencer notre travail. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à ces niveaux maintenant, là, longitude et latitude. Quand je prends DF, head, et comme vous constatez déjà, au niveau de ces deux lignes, on a déjà des none. Maintenant, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faut? Il y a une méthode très intéressante que Panda nous propose qui s'appelle drop NA. Drop NA, c'est-à-dire supprimer des données manquantes. Maintenant, comment cette méthode fonctionne? Lorsque je fais ça, et vous verrez que maintenant, il n'y a pas de données manquantes. Même si quand je fais head, là, c'est-à-dire il affiche les cinq derniers, cinq maintenant éléments. On verra qu'il n'y a pas cet élément-là, il a supprimé. Mais là, dans ce contexte-là, si je reviens encore, je réaffiche head des data frame 1 là, et automatiquement none apparaissent. Pourquoi? Tout simplement, cette méthode-là, pour que la méthode drop NA fonctionne sur le data, il remplace les données, c'est-à-dire il supprime automatiquement, il y a un paramètre qui est obligatoire qui s'appelle in-place true. C'est-à-dire tu mets in-place true, ce qui veut dire que quand je fais ça maintenant, il va automatiquement remplacer les données manquantes. Quand je récompile maintenant, automatiquement, vous verrez que maintenant, on n'aura plus de données manquantes. Regardez, pour confirmer cela, il me suffit d'appeler encore la méthode info et vous verrez qu'il y a automatiquement un changement. Et comme vous pouvez constater maintenant, toutes les lignes sont redevenues maintenant 583. Ça veut dire simplement, les lignes où il y avait none, il a supprimé dans toutes les colonnes, que ce soit les colonnes property, state, let, même si property, ça ne manquait pas, mais à partir du moment sur une observation donnée, il y a la localisation manque quelque part. Il suffit de supprimer cette observation, ce qu'on vient de faire à ce niveau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme on l'a dit, il faudrait remplacer le type de prix aussi par un nombre. Et pour cela, nous devons d'abord, première chose, enlever dollar. Deuxième chose, remplacer, c'est-à-dire enlever également la virgule. Alors, pour cela, j'appelle encore DF et qu'est-ce que je vais faire premièrement? Il me suffit d'appeler la colonne. Soit je peux faire comme ça et j'ai fait appel maintenant à price dollar. Quand je tape, automatiquement il me retourne les prix. Maintenant, je vais faire quoi? Je transforme maintenant cette variable-là en une chaîne. Et à partir du moment où j'ai une chaîne en Python, il y a une méthode qui me permet de remplacer des valeurs manquantes. Alors, quelle est la méthode? Il suffit simplement d'utiliser la méthode replace. Et la première chose, quelle est la valeur que vous voulez remplacer? Dans mon cas, si je vais remplacer dollar, par quoi est-ce que vous voulez remplacer? Je vais le remplacer par vide, c'est-à-dire par rien. Et automatiquement, vous voyez, c'est remplacé, mais maintenant, il y a un warning. Et en général, lorsque vous avez soit erreur ou warning, vous ne devez pas vous paniquer. Il vous suffit simplement de lire l'erreur et vous allez trouver une issue. Et comme vous pouvez le constater, il dit Default value of regex will change from true to false. C'est-à-dire, avant c'était true, mais ils l'ont remplacé par false, la valeur regex, quoi. Donc, dans la future version, in addition, single character replace will not be
Au fait, bref, ce qu'il veut dire simplement, il nous dit de passer cet argument-là maintenant à trous, en appel, pour qu'il n'y ait plus de warning. Là. Je colle ça, les étapes, et normalement, on ne devrait plus avoir de warning. Et comme on peut le constater, on n'a plus maintenant, on n'a plus, c'est-à-dire les dollars. Les dollars sont remplacés. Mais, quand cela ne tient, la valeur reste toujours objet. Et ensuite, il y a la virgule aussi. Même si on essaie de convertir comme ça ne va pas fonctionner. Regardez, pour convertir un type, il suffit d'utiliser asType. Et là, vous tapez par exemple float pour dire que vous voulez convertir en float. Vous voyez déjà, ça ne marche pas parce qu'il y a la virgule. Donc, deuxième chose encore, je peux chaîner les méthodes. Hein, c'est là, pour cela, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je reviens là encore, où je peux faire toujours sur la même ligne. Je continue, STS, et je fais encore replace, toujours. Et quelle est la valeur cette fois-ci? C'est la virgule que je vais remplacer par quoi cette fois-ci? Par rien. Et quand j'ai fait ça, et automatiquement, comme on peut le constater maintenant, on n'a pas de virgule. Mais par contre, maintenant, si je reviens, je fais maintenant as type, automatiquement, je n'obtiendrai plus d'erreur. As type, la méthode as type, et je dis que je veux que les données soient de type float. Et quand vous venez ici, comme on peut le constater, on est maintenant en float. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque là, les opérations dans la base de données ne sont pas remplacées. Pour que ça soit remplacé, il vous suffit de faire également cette valeur égale à ça. Et à partir du moment qu'on a fait ça, si j'ai fait maintenant df1 info, et automatiquement, vous verrez que maintenant, on a des valeurs, nos prises sont maintenant comme réelles. Et là, comme vous pouvez voir, ça, c'était l'objectif de ce tutoriel. Donc, première chose qu'on avait fait ici, c'était de supprimer des données manquantes, c'est-à-dire des valeurs manquantes. Deuxième chose, c'est d'enlever les dollars. Troisième chose, de remplacer, enlever également les virgules. Et quatrième chose, la dernière chose, c'est-à-dire convertir le type maintenant des prix en nombre. Vous voyez? Et lorsqu'on voit maintenant, automatiquement, notre base de données est vraiment clean. Et arrivé là, je vais me limiter là. Et le coup prochain, on va passer à la prochaine étape de notre analyse des données. Merci pour votre attention. On se reprend à la prochaine.